Hello la team, comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi ça va bien, impeccable. Donc aujourd'hui on est le 21, ben là il reste plus beaucoup de temps pour les calendriers de l'Avent, je vais pas y arriver. Et ben donc on se retrouve encore aujourd'hui pour une ouverture. Donc tout d'abord, ben comme hier, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres en fait un petit courrier avec ce petit bonhomme qui me marque Joyeux Noël. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en expéditeur. Je ne sais pas du tout qui ça peut être. Et donc j'avais envie d'ouvrir ce courrier avec vous aujourd'hui. Donc j'attends rien. Donc voilà. Je suis surprise encore une fois aujourd'hui. Donc Greg, je voulais te dire que normalement je pense avoir reçu ton swap. Mais en ce moment, je ne sais pas. Mon facteur, il passe à 10h, 11h, 15h, midi. Donc il n'a pas d'heure. Et aujourd'hui, ben, j'étais au boulot, il est passé. Donc je suis dégoûtée. Je peux aller récupérer que le colis demain, donc je pense que c'est le swap, puisque j'attends que ça en colis, donc je pense que c'est le swap qui est arrivé, donc je suis obligée d'attendre demain. Voilà. Alors, donc j'ouvre. Waouh, c'est une grande carte déjà. Et le papier, il est super beau. Il est embossé avec. Donc voilà, donc c'est une grande carte comme ceci. Le papier, en fait, je ne sais pas s'il est embossé ou s'il est déjà comme ça. Donc avec marqué Noël dessus. Et là en fait c'est vous savez les dice 3D qu'on colle, moi je l'utilise aussi pour faire mes cartes et tout ça, je trouve ça super joli. Alors, waouh, super beau. Alors donc j'ouvre à l'intérieur et j'ai des plumes comme ceci. J'espère que j'ai un petit mot quand même de savoir qui c'est. Chouette, c'est super sympa, c'est chouette. Alors j'ai un masque, celui-là je ne les ai pas testé encore. Je crois que j'en ai acheté un mais j'ai pas encore testé. Donc à l'intérieur j'ai un masque comme ça, vous savez, en tissu. Et celui-là il est bah, masque visage. Alors c'est pour faire quoi celui-là? Il est l'extrait de vin et de rétinol. Alors, il aide à minimiser les signes prématurés de l'âge. J'en ai besoin un peu, c'est vrai, j'avoue. Donc, ben, j'ai serré. Écoute, voilà. Bon, j'ai serré. Alors, est-ce que c'est le petit mot? Joyeux Noël. Donc, j'ai un petit mot. Joyeux Noël, comme ceci. Un petit présent. Joyeux Noël, Coco. Alors, Coco, c'est toi. C'est Rose Coco Bonbon? C'est. Qui, Coco? Ah, par quoi toi, Coco? Je vois pas d'autres personnes. Mais t'as pas mon adresse, de toute façon, donc c'est pas toi, Coco. Donc non, je crois que t'as pas mon adresse. Mais je sais pas si quelqu'un sait qui c'est. En tout cas, je remercie beaucoup la personne qui m'a envoyé ça. J'adore, la carte, elle est super belle. Vraiment, moi j'adore. Alors Coco, Coco, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire qui c'est, je suis dans le flou. En plus, je rentre du travail, je me lève tôt le matin. Ayez pitié de moi, la team, s'il vous plaît. En tout cas, j'adore, je remercie beaucoup. Ben, Coco, je te remercie. Non, ça peut pas être, t'as pas mon adresse, donc ça peut pas être toi. Je vois pas qui c'est. Vous aimez poser des énigmes, c'est fou. Je suis dans le flou. Du coup, je vais chercher là. Je vais Coco. Je vois pas qui c'est. Mais en tout cas, Coco, bah, je te remercie beaucoup pour ton courrier, pour ta carte. Ça me fait super plaisir. Ça me fait chaud au cœur. J'adore, comme d'habitude. Donc voilà, un grand, grand, grand merci. Mais dites-moi qui vous, c'est qui? Je vois pas. Ça me perturbe en fait. Et cette écriture-là, en fait, je la remets pas. Je vois pas qui c'est. Ah, je suis perturbée. Ça y est. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Avec la fatigue là. Coco. Putain, c'est qui Coco? Bon, on va passer au calendrier d'avant parce que sinon, je vais réfléchir après. Alors, bon, on change pas les habitudes, hein. Petit menu. Donc, de Maria. Alors, le 21. Donc, aujourd'hui, on est le 21. Oui, je l'ai dit, je crois déjà. Alors, pour écrire. Pour écrire.
Donc, il se présente comme ceci. Au toucher, bah, moi, je pense à un crayon. Je pense à un crayon. Alors, pour écrire, c'est ça. Il est super chouette. J'avais pris comme ça aussi à Nose des comme ça là, pour envoyer dans mes swaps et tout ça parce que j'ai trouvé super sympa. Bah, du coup, celui-là, là, je vais le garder pour moi. Parce que souvent, j'achète des trucs pour offrir et je n'en garde pas pour moi. Et celui-là, je les mets trop avec. Du coup, je l'ouvre parce que ça va être le mien. Celui-là, je l'offre pas. Et avec la petite. La femme là-dessus, je trouvais ça super. Hein. Et je les ai trouvés super jolis, vous voyez. Il y a écrit Love dessus. Là, vous avez le buste d'une femme, là. Des petits cupcakes. Ouais, j'ai trouvé ça très girly. Je trouvais ça super joli. Impeccable. Et je te remercie beaucoup. Il est écrit en quelle couleur d'ailleurs? Bleu. Écrit bleu. Impeccable. Merci beaucoup, Maria. Alors là, j'ai celui de Tite Lily. Donc, il se présente comme ceci. C'est ce que je disais hier. J'ai plus d'enveloppe. Maintenant, c'est que dans des petits paquets comme ça. En même temps, il reste 3 jours. Donc, bon, après, moi, 4. Parce que, comme je vous ai dit, on a 25 paquets dans le calendrier de l'Avent. Donc, le 25, j'aurais pas le temps. Je pensais, j'aurais les cadeaux 26. Parce qu'entre les swaps, les échanges qu'on a fait, tout ça, je pense que, ouais. Donc, j'ouvrirai pas le 25 et quand je vais faire plusieurs vidéos, mais pareil, je ne vais pas vous bombarder tout dans la même journée parce que sinon vous en avoir ras la casquette de bêtises. Donc, je pense que je vais vous mettre ça au fur et à mesure dans la semaine parce que sinon, c'est même pas la peine. Oula, tu m'as blindé le sachet là, petite Lily. Ah, super! Super! Alors, j'ai des embellissements en bois et des tamponnages. Trop bien parce que j'ai pas fini mes trucs de Noël, petite Lily. Les tamponnages là, c'est top parce que. Ça pour mettre sur les cartes et tout, tu vois, moi, impeccable. Merry Christmas. J'ai le Père Noël, comme ça, il est super chouette. Après, j'ai les petits bonhommes de neige. Ils sont trop beaux, ceux-là, j'adore. J'ai un. C'est du ou un truc comme ça, je pense, qui pend. Celui-là aussi, il est beau avec le. Ah, j'adore celui-là, regardez. Le petit bonhomme de neige avec le chapeau, comme ça. Il est trop rigolo, j'adore. Trop chou. Ah, lui, il est trop beau aussi. Regardez le petit pingouin. Oh, j'adore, il est trop beau. Donc là, j'ai des petites boules de Noël, comme ça, ou comme ça plutôt. Ouais, comme ça sera mieux. Donc là, j'en ai une deuxième. J'ai le petit Père Noël que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai celui-là. Et j'en ai un qui m'a déjà colorisé, qui est trop, il est trop chou aussi. J'adore tes tampons, petite Lily. Je sais pas où tu les as eus. Ils sont trop, trop jolis. Et celui-ci, qui est trop mignon aussi, trop beau. J'aime bien quand ils ont des bonnes bouilles comme ça, les Pères Noël. Ils sont super, j'adore. Mais moi, j'adore le. Lui, là. J'adore. Et lui. C'est le préféré. Enfin, je les aime tous, hein. Mais voilà. Après, il faut bien avoir des petits préférés. Et après, donc, j'ai dans le sachet des petits embellissements en bois, comme ça. Donc, j'ai un petit Père Noël. J'ai des sapins de Noël. Ah, si, j'avais un tamponnage cerf aussi, là. Qui est venu se cacher. Alors, attendez. Je ne veux pas faire trop de bruit à la caméra. Donc voilà, j'ai, voyez, plein de petits embellissements en bois. Super, j'en ai pas du tout des comme ça en plus. Et ça tombe bien. Mais je te remercie beaucoup, petite Lily. C'est super plaisir, j'aime bien avoir plein de petits scrabibules comme ça, là. Ça aide bien. Et ça, c'est quoi? Ça représente quoi, lui? Regardez. Je sais pas. J'aime bien, mais je sais pas. Parce que. En fait, on peut s'imaginer plein de choses en fait, un petit animal avec plein de poils et tout. Je sais pas. Trop bien. J'adore. Merci beaucoup encore une fois. Franchement, j'aurais été gâtée pendant 24 jours. Enfin, ça va faire. J'en aurai 25. Mais parce que quand je vois là, le 25 de Tite Lily, il est juste. Le paquet, il est juste énorme. Et j'attends avant de les mettre au pied de mon sapin. J'aimerais bien les mettre. Mais le problème, c'est qu'avec ma chienne, si jamais ça lui prend envie de d'ouvrir les paquets, voilà quoi. On va éviter. Alors, le numéro. Excusez-moi. Tout le monde est malade au boulot. J'espère que je vais pas attraper la crève. Le 21. On dirait un petit carnet au toucher. On dirait un petit carnet ou des petites feuilles. Ou peut-être des sticky notes. Suspense.
Just keep writing. Ah, c'est ça, c'est un petit carnet, mais alors. C'est en, ouais, voilà, en 3D comme ça. On vous. Ben juste, vous voyez, alors autant là, ça me fait 3D mal aux yeux, mais autant la caméra, vous voyez nickel pour une fois. En fait, ouais, je mets tout en 3D pour que vous y voyez bien. Et donc, avec des petites pages blanches, donc pour noter des petits trucs et tout, c'est pas mal ça. Quand on a des fois rien sous la main, on doit noter un numéro de téléphone ou quoi. Il est super, j'aime bien, moi, j'adore. Ou alors, ça se trouve, c'est Elia qui va me le piquer, je sais pas encore. Parce qu'elle et ses petits carnets, c'est pareil, on a. Et encore, on vient d'en acheter à Claire's l'autre fois, il faudra qu'elle vous le montre. Je dirais qu'elle vous le montre parce qu'elle va vous faire une vidéo sûrement tout à l'heure parce qu'elle a reçu son swap enfin, mais c'est pas celui de Noël, celui-là, elle a le droit de l'ouvrir avant. Et je dirais qu'elle vous montre, en fait, c'est, j'ai pris un carnet chat avec de la fourrure et tout, il est trop rigolo quoi. Mais là, j'aime bien, ouais, j'adore. Bon, mais encore gâté, encore une fois. Donc, le petit carnet comme ça, les petits embellissements avec les tampons de Tite Lily au top. Et le stylo de Maria que j'adore parce que moi ben, du coup, je les avais achetés je te dis pour offrir donc c'est que j'aimais parce que quand j'aime pas j'achète pas même si c'est pour offrir et moi je trouvais ces trucs très girly donc voilà mon calendrier de l'Avent numéro 21 encore une fois les filles vous m'avez gâté je vous remercie énormément et ben, Coco fais-moi signe Coco dis-moi qui tu es parce que je vois pas du tout et je vois pas et même l'écriture je vois pas donc s'il te plaît en tout cas je te remercie beaucoup pour ta carte et pour le masque ça me fait super plaisir surtout quand on s'y attend pas d'avoir des choses comme ça dans la boîte aux lettres c'est comme hier le cadeau que j'ai eu le loup ça m'a fait extrêmement plaisir et t'inquiète, même si ce découpage, je l'adore, je le kiffe, je t'inquiète, je vais le détourner, mais voilà, je l'adore trop. Et là, voilà, une super belle carte, mais dis-moi qui tu es, s'il te plaît. Bon, allez, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vais laisser ma place tout à l'heure à Elia. Donc il va vous présenter son swap. Alors tout à l'heure entre midi et deux, si elle a le temps, si elle n'a pas mangé parce qu'elle est très longue. Mais je pense que là, vu qu'elle a un truc à ouvrir, je pense qu'elle va speeder. Ou sinon, ça sera à la sortie de l'école en fin de journée. Bon, mais sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Et peut-être que je ferai un live cet après-midi parce que je dois faire des albums. Donc comme la dernière fois, en fait, j'avais fait mes choses en live et puis comme ça, je parle avec vous, puis c'est plus sympa. Donc je vais voir ça tout à l'heure. Bon, allez. Sur ce, gros bisous et sinon, je vous dis à demain pour l'ouverture des calendriers de l'Avent numéro 22. Ça approche. Le petit bonhomme rouge va pas tarder à descendre par la cheminée. Allez, scrapez bien la team!